ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun ne sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Bon, voilà. Alors, chouette perspective, les copains d'abord, hein, dans l'absolu. Alors, pourquoi les copains d'abord ? Parce que je trouve que c'est un morceau qui illustre vraiment bien l'utilisation des dominants secondaires d'une façon assez simple et en même temps vraiment bien construite. Le morceau est aussi intéressant et sans doute lié au jazz. Ouais, pour plus d'une raison, je dirais comme ça pour moi. Ben, y a déjà l'harmonie qui est... Bon, c'est pas très recherché au niveau comparativement à d'autres morceaux de jazz, bien entendu. Mais il y a le fait que la mélodie soit jouée en swing également, soit interprétée. Donc déjà, quand on est dans l'interprétation, on est dans une part d'improvisation. Sans doute que Georges Brassens ne chantait jamais deux fois la même chose, en tout cas au niveau rythmique. Donc dans ce sens-là, on est déjà dans l'improvisation, on est quelque part dans quelque chose de très important au niveau du jazz et de très accessible. C'est que dès lors qu'on a une mélodie, on peut déjà opérer quelques variations dans le placement des notes, tout en les conservant,
Et on est dans l'improvisation. Donc ça, cet aspect-là intervient également. Donc l'interprétation, le fait que ce soit que les croches soient chantées ternaire et non pas binaire. Si c'était binaire, ce serait assez ennuyeux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un petit solo à la voix vers la fin. Bon, c'est pas un solo de grande envergure, mais néanmoins, c'est une paraphrase du morceau, une paraphrase de la mélodie. Et donc, la paraphrase, c'est aussi, ce que je dis, c'est un peu redondant, mais la paraphrase, c'est une première forme d'improvisation. Donc, encore une fois, il s'agit d'interpréter la mélodie d'une façon un peu différente, quitte à aussi intégrer des notes qui n'appartiennent pas au profil mélodique initial. Ce qui, je pense, est le cas aussi. Dernier élément, mais là, on est plus dans l'harmonie. En réalité, il y a deux tonalités dans le morceau. Il y a une introduction qui sert aussi de pont lorsque Brassens improvise un peu à la voix, comme ça, en singeant Saint-Jean, oui, on va dire ça comme ça, c'est le mot qui me vient, parce que c'est un côté un peu cocasse en même temps, en singeant le son d'un instrument. Et reproduire le son d'un instrument, c'est quelque chose qui est très courant dans le jazz vocal, par exemple. Je pense à Ella Fitzgerald. Si on creuse un peu le sujet, on voit qu'en fait, c'est d'une richesse en termes d'onomatopée absolument prodigieuse. Et donc là, on est complètement dans le fait qu'elle utilise des onomatopées, on parle de scat, des onomatopées, des sonorités qu'elle invente et qui sont proches des sons, des instruments avant, des cuivres, trombones et souvent la trompette. Donc voilà, donc pour ces différentes raisons, je pense qu'on n'est pas loin du jazz. Alors, ceci pour clôturer en fait notre parcours qui est déjà relativement long, je dirais, sur cette notion, par rapport à cette notion de dominant secondaire. Alors je vous avais donné, à des fins d'analyse, pour simplifier un peu l'approche, cette feuille-ci, dominant secondaire, je vais la revoir une fois avec vous. Donc on a, c'est une feuille vierge qui permet de servir de filtre, de passoire pour les différents morceaux et les différentes tonalités. Alors on va faire ça ensemble par rapport au morceau qui nous occupe. Donc j'ai la partition qui est pas loin, quelque part dans le page. Je vais mettre la main dessus. Ici derrière, peut-être. Voilà. Donc voici la partition. Donc encore une fois, ici, moi j'ai pris la peine de retranscrire le morceau. Donc d'indiquer, donc il s'agit bien de swing, c'est-à-dire que les croches ne sont pas jouées, interprétées de façon égale, mais plutôt proches du ternaire. Alors ben voilà, on a la structure qui est globalement toujours la même. On arrive à la fin du morceau et puis on revient au début pour clôturer en fin de compte sur cet accord donc qui servira de résolution. Alors la première chose à faire si vous n'avez pas trop l'habitude de l'analyse, je pense que c'est le cas, hein, on va pas aller trop loin, l'objectif étant que ça reste tout à fait accessible, je pense que la première chose à faire, c'est de se dire, ben oui, dans quelle tonalité sommes-nous? Là, j'ai mon petit clavier qui fonctionne. On est dans la tonalité 2 dièses à la clé, a priori on est en ré majeur ou en si mineur. Okay. Donc, si je n'en savais pas plus, si je n'avais que les altérations à la clé, je ne pourrais pas dire si nous sommes en majeur et en mineur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est en majeur? Le premier accord déjà. Le premier accord, c'est en ré 6. Ré 6, c'est l'équivalent d'un ré majeur à la base, c'est une triade, ré, fa dièse, la, et puis un si. Dedans, je joue l'octave. Ré 6 ou ré majeur, c'est équivalent par rapport à notre analyse, il s'agit du premier accord de la tonalité de ré. Je regarde si c'est confirmé, est-ce que la fin nous dit la même chose? À la fin, effectivement, on a une cadence,
Donc, on a le cinquième degré, on va le revoir un peu en détail, hein. Donc le cinquième degré de la tonalité de Ré, c'est là. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Je compte jusqu'à 5 sur mes doigts. Et ici, j'ai bien l'accord de dominante, qui revient encore ici entre parenthèses, et qui conclut, au moins momentanément, la phrase musicale. Et puis alors on a un accord, le La septième peut servir de relance pour revenir au début du morceau. Donc alors souvent on utilise la cadence 5/1 pour revenir au début. Donc là, ça nous permet, regardez brièvement le début et la fin, ça nous permet d'avoir confirmation que les altérations correspondaient à l'accord de la tonalité majeure. On entend bien qu'on est là-dedans et non pas dans une tonalité mineure qui serait celle-ci. Hein. On entend bien que là, ça gravite autour d'une tonalité majeure qui est un peu plus dynamisante, je dirais. Voilà. Alors, deuxième étape, peut-être regrouper tous les accords que l'on connaît et qui appartiennent à la tonalité. Donc, je vais pouvoir faire ça ici. Donc, on est dans une tonalité, je vais reprendre, tonalité de point. On est d'accord qu'on est en Ré majeur. Peut-être faire ça en plus grand. Pardon. Ré majeur. Voilà. Les accords diatoniques. Oula. De cette tonalité-là. Je les reprendrai par après sur la feuille, je recopierai. Donc on a Ré majeur 7 même, ça sera le premier degré, puis Mi mineur 7, Fa dièse mineur 7, le troisième degré. Pas oublier que, évidemment, je n'ai pas dit, donc ici en Ré majeur, altération à la clé, deux points. On est d'accord qu'en Ré majeur, on a deux dièses. Et donc ces deux dièses vont porter sur Fa et Do. Moi, je peux les mettre en toutes lettres, c'est peut-être plus clair. Non. Fa dièse et Do dièse. Hop, on ne veut pas faire le dièse. Voilà. Altération. Donc, deux altérations à la clé, deux dièses, fa et deux dièses. Donc, ça veut dire je vais devoir en tenir compte lorsque j'écris les toniques des accords. Donc, degré suivant, j'en ai au fa dièse, on est sur un accord de sol, c'est le quatrième degré d'une tonalité majeure, donc a priori, il est majeur 7, ou majeur 6, ou majeur tout court, c'est équivalent pour notre analyse. Ensuite, on a le cinquième degré, on l'a vu à la fin de la structure, c'est un la 7. Après, on a 6, ça c'est le sixième degré, 6 mineur 7. Et puis pour terminer, j'ai Do dièse, ça c'est la tonique hein, correspond aux altérations. Et l'accord c'est mineur 7, bémol 5. Ok, donc voilà, prendre un peu d'espace. Donc, ça c'est sans doute ma première étape avant d'aller analyser les choses un peu plus peut-être un peu plus élaboré. Donc j'ai mes degrés, ça c'est le pardon, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième degré. Donc ce sont les accords diatoniques, hein, c'est-à-dire ils sont construits uniquement avec les notes de la gamme de Ré, c'est-à-dire ceci, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré.
Ces accords ne comprennent que les notes de la tonalité. Il n'y a pas d'altération ou d'accident en cours de route. Ce qui va se passer, justement, comme si on veut donner, enfin, structurer un peu l'ordre des accidents, dans les premiers accidents que nous allons rencontrer, ce seront les accords qui sont un peu moins, qui sont plus tout à fait diatoniques, ce sont les dominants, dominants secondaires. Je ne vais pas refaire toute l'explication concernant l'origine des dominants secondaires et puis le détail de quoi s'agit-il, etc. Parce que là, on a déjà passé pas mal de temps à faire ça. Là, je fais une espèce de résumé. Alors, je vais mettre ça en bas. Ça, c'est notre morceau. On va pouvoir remplir notre petite feuille. Voilà, alors. La tonalité, je vais la mettre ici en haut, donc on est en Ré majeur. Vous pouvez le faire avec moi. Premier accord, Ré majeur 7. C'est ce que je viens de faire en dessous. Et puis, Mi mineur 7. Fa dièse mineur 7. Sol majeur C, le quatrième degré, le cinquième degré, la septième, le sixième Si mineur 7. Je ne mets pas le suffixe MIN pour avoir assez de place pour écrire tout ce que je veux écrire. Et puis Do dièse. Mineur 7, B5. Là, je l'ai fait comme ça, vous voyez que ça prend trop de place. Bon, hop, voilà, comme ça, c'est bon. Voilà. Alors, donc, ça, il s'agit de mes accords diatoniques. Maintenant, les accords de dominante secondaire. Bah, somme toute, c'est assez facile, comme on l'avait déjà dit. Bah, je vais reprendre tous ces accords-là. Je vais conserver les mêmes toniques. Et je vais juste changer la qualité. Donc, ici, on va avoir un accord de Ré 7. Un accord de Mi 7 ici, Fa dièse 7e, etc. Vous avez compris de quoi il s'agissait ici. J'ai 7. La 7, bah, il y a déjà 7e, c'est notre dominant principal. C'est pour ça d'ailleurs que dans ma représentation, j'ai mis une étoile au-dessus du 5. Et si on va voir en bas, on voit que étoile égale cadence fondatrice 5-1. Ok, 5-1. Donc ça, mon accord de la 7, c'est le seul dominant que j'ai, mon dominant principal que j'ai dans la tonalité, quand je ne change rien. Et maintenant, je change. Mais celui-là, je l'avais déjà. Donc ça ne m'intéresse pas. Ensuite, j'ai le 6-7. Et si je continue ma démarche jusqu'au bout, j'ai le Do dièse 7e. Voilà, chacun de ces accords, a priori, constitue un dominant secondaire. Alors, pour qu'il soit vraiment considéré tel quel, il faut que, a priori, il puisse être animé, parce que les accords sont des êtres animés, en tout cas dans un contexte tonal, ils ont des directions, en particulier cet accord-ci, le dominant principal, a priori, il se résout vers le premier degré, c'est ce qu'on rencontre à la fin du morceau. Donc à la fin du morceau, hop là, on a l'accord du cinquième degré, la 7, qui se résout sur l'accord, hop là, je m'emmène un peu les pinceaux, qui se résout sur le cinquième degré, ici, la 7, qui se résout momentanément sur le Ré majeur ou le Ré 6. À la fin du morceau, l'accord de la 7 se résout définitivement sur l'accord de Ré. On va reprendre ici, on est là. Résolution sur l'accord de Ré majeur. Je joue les accords qui précèdent. Le piano fait des siennes. G.
va faire. Je refais la démarche de reprendre le clavier. Afficher clavier. Voilà. Bienvenue. Donc on a l'accord de la septième, la mélodie fait, et puis là on résout sur le premier degré. On est d'accord? Donc c'est bien la cadence parfaite 5. Alors je reviens. Ici, donc il s'agit bien de ça, 5, la 7, 1, Ré majeur. Ça c'est le A du début. J'aurais pu faire une petite flèche ici. Alors, mes dominants secondaires, ben en fait, c'est quoi? Ben c'est une extension de cette relation-là, tout simplement. Ça veut dire que c'est la même chose, mais au départ, d'un autre accord. Voilà. Je suis parti des accords diatoniques, et maintenant, je modifie la qualité. Et donc, a priori, chacun de ces accords peut être animé de la même direction, une direction parallèle à celle du dominant. Donc ici, par exemple, le Ré, si je le résous, le Ré septième, va aller vers l'accord de Sol. Okay. Et le Sol, c'est le 4. Donc Ré, par le processus de relation de dominant, donc 5, va se rendre vers le 4. Maintenant, si je fais la même chose avec le Mi septième, j'ai ma sensible ici, hein, qui me donne ma direction. Du La septième, je vais peut-être les indiquer au fur et à mesure. Donc, là, il est pas. Ah, si, ouais. Le Ré va vers le Sol majeur 7. A priori, les accords cibles sont les accords de la première ligne, ici. Ils ont donc, a priori, la qualité des accords diatoniques. Maintenant, il peut arriver couramment que la qualité soit modifiée. Mais je ne vais pas le faire ici, sinon ça risque de vous embrouiller. Ensuite, donc, je viens de le faire, on a l'accord de Mi qui se dirige vers l'accord de la septième. Je continue mon petit bonhomme de chemin. L'accord de Fa dièse qui va aller vers mon accord de Si mineur. Donc ça va donner ceci. Fa dièse 7. Ensuite, l'accord du quatrième degré, lui il est particulier, on en avait déjà parlé. Donc, on peut le modifier, donc modifier l'accord du quatrième degré pour qu'il devienne un accord de dominante, donc a priori secondaire, vu que ce n'est pas le principal. Et donc, il peut aussi être animé de la même tendance à se résoudre une carte plus haut ou une carte plus bas. Mais si je fais ça, en fait, Sol 7 va se résoudre sur Do. Do normal, Do bécard. Mais ici, donc les accords diatoniques contiennent le Do dièse. Donc en fait, ça ne marche pas. Si j'utilise le Sol 7 et que je conserve la même direction que tous les dominants secondaires précédents, ça ne marche pas. Je vais dans une tonalité qui n'est plus la même. Donc c'est pour ça que je ne l'intègre pas parmi mes dominants secondaires, mais je me dis, ben voilà, si vous voulez moduler, c'est-à-dire changer de tonalité, aller vers Do, par exemple, ben là, vers Do majeur, vous pouvez utiliser cette porte-là, la porte du quatrième degré. Ok, je ne vais pas détailler, vu que ce n'est pas le but. Je continue, dominant principal, ça, on l'avait déjà vu. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste deux accords. Le 6-7 qui va se rendre vers le Mi. Hop. Une fausse manœuvre.
Vers le mi, donc la qualité du mi, c'est mineur 7. Et puis en fait, pour terminer, enfin, le do dièse qui va aller vers fa dièse, et le fa dièse, c'est mineur 7 également. Fa dièse. Voilà, là j'ai rempli mes différentes cases, j'espère que c'est clair. Hein. Alors, je vais voir, je suis tout terminé. Alors, au niveau du chiffrage, c'est là souvent qu'il y a une incompréhension. Donc, il y a deux façons de représenter les dominants secondaires. Hein. Donc, je parle bien du chiffrage des dominants secondaires, pas des accords diatoniques, vu que ça vous connaissez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, il faut bien trouver un truc. Alors, si on veut ne pas se fatiguer, il suffit simplement de mettre le suffixe, le chiffre 7 à côté de chaque degré. Donc 1, 7, 2, 7, 3, 7, ça en passe, ça aussi. 6, 7 et 7, 7. On peut utiliser cette façon de noter. Moi, je ne fais pas ça, je n'ai rien inventé. On utilise la plupart du temps une autre façon de chiffrer qui est plus intéressante parce qu'elle nous permet d'intégrer dans le chiffrage que l'accord a une certaine direction, il indique la direction justement de cet accord. Donc, exemple, je prends Ré7. Ré7, c'est le dominant secondaire qui a tendance à aller vers Sol majeur. Donc, on va dire que le Ré7, c'est 1-5, c'est comme un 5, on fait comme si c'était un 5, on est aveugle à ce qui se passe autour dans le contexte du morceau, on fait comme si de façon très locale, ce Ré7 était 1-5 d'une tonalité ici, ou d'un accord qui est le Sol. Donc c'est le 5 qui va vers Sol. Mais le Sol dans ma tonalité originale, c'est ça, le départ, mon Sol en fait, c'est le quatrième degré. Okay, c'est-à-dire que mon Ré, finalement, c'est l'accord du 5, c'est comme un 5 qui va vers l'accord du quatrième degré. Et donc, on va le représenter comme ça. On va dire que le Ré 7, ici, c'est le 5 du 4. Voilà. C'est comme ça qu'on va... C'est ce type de chiffrage-là qu'on va utiliser. Donc, 5 de 4, 5 de 5, 5 de 6, 5 de 7... Pardon, 5 de 2 et 5 de 3. Voilà, c'est tout en fait. C'est tout ce qu'on va avoir. Alors, une fois qu'on a balisé, ici on a balisé finalement, ce tableau-ci sert à baliser les accords que l'on va probablement rencontrer. Non seulement il sert à baliser les accords, mais aussi à baliser le chiffrage. Quel genre de chiffrage va-t-on utiliser? Est-ce qu'on va rencontrer des accords diatoniques? Oui, dans ce cas-là, on va utiliser cette ligne-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'on va rencontrer des accords de dominante secondaire? Peut-être, on verra bien. Dans ce cas-là, on utilisera le chiffrage dynamique. Dynamique, pourquoi? Parce qu'on voit que ici le 5 va vers le 4. Donc il est animé, a priori, d'un mouvement. Alors peut-être je reprends la feuille avec la grille d'accord. Alors maintenant, ce qui serait bien, c'est de chiffrer les accords. Donc ici, je ne sais pas si je vais pouvoir mettre l'autre feuille en parallèle, je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer. Peut-être comme ça. Voilà. Donc, Ré majeur 7, Ré 6, Ré majeur, c'est la même chose. C'est mon premier degré. Donc, grand 1 en chiffre romain. D'accord? Donc, comme ça, on verra bien tout. Voilà. Ceci, le pourcent, ça signifie que c'est la même chose que ce qui précède, donc rien de nouveau. Ré 6, ben je réindiquais le chiffrage, mais rien de nouveau, évidemment, c'est le 1. Après, la même chose, Mi 7, j'ai un Mi 7, d'accord, et donc ça, c'est un dominant secondaire, et si on a été jusqu'au bout de la notation de mon petit exercice, on sait que Mi 7,
C'est un 5, a priori. C'est comme un 5 qui irait vers le La. Et donc, c'est le 5 de 5. Qu'est-ce qu'il fait, lui, cet accord-là? Je peux déjà noter son chiffrage et vérifier si, effectivement, il va vers le... vers l'accord en question. Donc, Mi7 encore. Je remets. 5 de 5. C'est la même chose. On le saura à suspense. Ah non. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que... j'ai envie de dire statistiquement, mais ce n'est pas parce que le comment dire, le dominant secondaire, même s'il a une tendance à se résoudre une carte plus haut par un mouvement de type 5-1, c'est pas pour ça qu'on est obligé de le faire, évidemment. Hein, si on fait ce qui est prévisible artistiquement, ça risque d'être assez mièvre. Donc, évidemment, qu'on va essayer, de créer des effets de surprise ou en tout cas de ne pas ou en tout cas de ne pas renforcer ce genre d'attente. Alors c'est ce qui va arriver ici. Donc là, j'ai mon accord à la mesure 9 de sol majeur. Là, je suis sur un accord diatonique. C'est le quatrième degré, je vais l'indiquer. La même chose, fa dièse septième. Ah, de nouveau un dominant secondaire. Fa dièse septième, si j'ai compliment bien compris et rempli mon tableau, fa dièse, c'est le 5 qui mène vers si mineur, donc c'est le 5 de 4. Alors, ok, on va noter ça. 5 de 4. Bon, c'est ça, peut-être je me trompe. Ah non, c'est le 5 de 6. Je suis un peu dyslexique. Hop, voilà. Donc on s'attend, peut-être qu'il va aller vers si. Ah oui, ben voilà. Effectivement, je vais reprendre le chiffrage ici. 5, 2, 6. Et donc là, il va effectivement vers le 6. Ça va? Donc, le 6, c'est un accord diatonique. Ça, c'est un dominant secondaire. C'est pour ça qu'on utilise un slash. Alors, en principe, je ne sais pas comment on fait dans ce programme-ci. Je devrais indiquer une flèche ici au-dessus pour mettre en exergue la relation de dominante. Donc ici, c'est une résolution momentanée de cet accord de dominant secondaire vers un accord diatonique. Je devrais mettre une flèche, mais je ne sais pas encore le faire, peut-être plus tard. Alors, l'accord suivant, le Mi7, 5 de 5, c'est du déjà vu, rien de nouveau. 5 de 5. Donc 5 de 5, on s'attend à ce qu'il aille vers le 5, c'est-à-dire vers le La7. Ok. Mi7, petite flèche, c'est le 5 de La7, d'un accord cible qui est diatonique. Effectivement, c'est ce qui se passe. Donc ça, le La7, on a bien vu dans la première ligne que c'est un accord diatonique, donc j'ai indiqué 5. Et là aussi, il faudrait que, si j'avais une petite flèche, je l'inscrive ici, dans cette relation-là, entre le 5 du 5 et le 5, car il y a une relation de dominante entre les deux. Je continue. A priori, ça c'est le cinquième degré. Je m'attends à ce qu'il aille vers... ça c'est le milieu, ici, le cinquième, l'accord étoile. C'est notre étoile parce qu'il nous sert de guide. Je ne vais pas aller au-delà dans cette métaphore biblique, rassurez-vous. Donc, la 7, a priori, va vers le 1, degré cible correspondant diatonique, le 1 serré. On va voir. Et ben voilà, effectivement, ça se confirme. On va bien vers le premier degré. Et là, à nouveau, ici, je devrais, si je maîtrisais vraiment bien l'outil, inscrire une petite flèche qui, de ce cinquième degré,
vers le premier pour indiquer qu'il y a une relation de dominante, et donc dans ce cas-ci, une résolution définitive du morceau, vu que on était en Ré majeur. Pardon, oui, voilà. Sur le premier degré. Voilà. On va rester là. Je propose qu'on en reste là par rapport aux dominants secondaires. On aura évidemment l'occasion de réutiliser. On va évidemment les rencontrer, ça c'est clair. C'est pas un épiphénomène à dominant secondaire. C'est quelque chose. Dans le jazz, dans les standards de jazz, ce sont des fonctions d'accord. Des catégories d'accords, si vous voulez, que l'on va rencontrer énormément en réalité. Et alors, c'est un petit outil de dramatisation du discours, c'est un langage un peu musicologique, mais c'est bien le langage adapté, c'est-à-dire, c'est pour un peu casser la mièvrerie des accords qui sont diatoniques, tous les accords du ton, qui globalement n'ont pas la même couleur, mais bon voilà, il n'y a pas d'incursion, il n'y a pas vraiment d'aventure, oui. Le fait d'introduire les dominants secondaires dramatise un peu le discours, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des morts et des vampires, etc. Non, pas du tout. Ça veut dire que simplement, ça donne une issue un peu inattendue ou juste autre au parcours et aux notes diatoniques. On sort un peu du diatonisme, donc c'est-à-dire de nos deux dièses à la clé, pour introduire de temps en temps une altération supplémentaire, donc qui raconte un peu une autre histoire. Voilà. J'espère que mes explications étaient claires. Sans doute, je vais vous proposer l'un ou l'autre exercice à réaliser à la maison par rapport à ça. Je vais y réfléchir, évidemment. Je vous transmettrai ça dans les vidéos ultérieures. Voilà, merci de m'avoir suivi.